Parce qu'il faut toujours commencer le travail pour sur soi et le travail pour les autres avec ses plus proches. Et dans l'ordre, les plus proches sont votre époux, vos enfants. Donc les plus proches sont nos conjoints, nos enfants, éventuellement nos parents. Et ensuite viennent nos amis. Nos amis ordinaires et nos amis sur le chemin. Ensuite viennent ceux qui sont un peu plus lointains, nos collègues de travail, les gens que nous rencontrons. Et ainsi, de proche en loin, on sait dans quel ordre il faut travailler sur soi et avec les autres. Merci. Vous savez, les grands sages sont venus généralement pour aider les humains à se libérer. Et ils ont beaucoup de difficultés avec ceux qui se disent leurs élèves ou leurs disciples. Et ils ont évidemment encore plus de mal avec ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont plus lointains, qui ne s'intéressent même pas à ce qu'ils enseignent ou à ce qu'ils pratiquent. Et vous, vous vous prenez pour une sauveuse capable d'aider encore plus ceux qui sont loin comme ça. Saisissez. Il faut apprendre à raisonner de façon juste. Donc aidez vos proches d'abord, et ensuite ceux qui sont un peu plus loin. Merci, maître. Faut d'abord arriver à faire la paix avec ses parents et ses enfants. Puis avec ses frères et ses sœurs, puis avec ses amis. Mais d'abord avec ses parents et ses enfants, et avec, à travers eux, avec ses ancêtres, ses lignées ancestrales. Après, on peut s'intéresser au lointain. Mais il faut commencer à cet endroit-là. Sinon, il y a une espèce d'abîme entre soi, un trou entre soi et ceux qui sont plus loin, qu'on prétend aider. Non, non, l'aide, elle est humaine, directe. C'est parce que j'agis au mieux pour ma sœur, mon frère, mon fils, mon père, mon ami. Voilà. Là, il n'y a pas de trou, d'abîme entre nous. Je peux le faire directement. Je peux être un vrai père pour mes enfants. Je peux être un vrai fils pour mes parents. Je peux être un ami pour mes amis. Et ensuite, je peux devenir un humain au milieu des humains et un bon humain pour tout le reste de l'humanité.